L'hiver s'est installé en Valais avec la neige et le gel, les vignes semblent faire une pause. Et pourtant, sous nos pieds, sous les quelques centimètres gelés, les cèpes puisent leurs minéraux et nutriments. C'est le début de la taille, un travail essentiel et déterminant pour la plante. Petit peu en réduction, hein. C'est aussi le temps des dégustations. Alexandre Delétra est propriétaire de la cave des Amandiers depuis 15 ans. Petit à petit, il a construit son domaine. Il a acheté des parcelles à 70 propriétaires différents. Il a arraché, planté, rénové des vignes. Il compte désormais 7 hectares entre Saillon, Fuilly et Les Troncs. Passionné par la viticulture héroïque, les vignes en terrasse, l'histoire et les terroirs, il a entamé un travail de cartographie pour montrer la valeur, la variété et la richesse de ces terroirs, de cette viticulture. On vend du vin, on ne vend pas de l'alcool. Hein, on ne propose pas aux gens de boire plus, on propose aux gens de boire mieux. Le jus est précieux cette année. On laisse rien perdre. Voici l'histoire d'Alexandre Delétra, de la cave des Amandiers. Je crois que les gens ils se rendent pas compte qu'en fait, on a l'équivalent de 3000 hectares de Côte-Roissy. Terroir juste incroyable. Et on le vend tellement mal. Si on regarde autour, hein, on voit qu'il y a ces affleurements de gneiss. Hein. Ça veut dire rocher escarpé. Hein. Poli par glacier, moutonné. Si vous regardez là-bas derrière, on a vraiment cette butée là, qu'on voit très ronde, comme ça, ça forme des espèces de ventres, de mamelons. Et puis entre ces gneiss, dans les petites dépressions, sont accumulées des leuses. Ces leuses, c'est des sables et des limons amenés par le vent. Mais ici, on est jusqu'à 70% de sable. Derrière, on a 25% de limon, on a moins de 5% d'argile et 0% de calcaire, avec des pH du sol qui sont à 5,2. C'est des sols qui sont pauvres, avec très peu d'éléments nutritifs, qui retiennent peu l'eau. Ce n'est pas des endroits évidents. Par contre, il faut imaginer qu'on est proche des sols qu'on retrouve à Château-Rayas. Donc on est quand même au niveau terroir, donc quelque chose qui est top niveau pour la vigne. En tout cas, sur des cépages comme la Syrah, c'est vraiment un terroir qui est exceptionnel pour ça. Je n'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un grand terroir. C'est ici qu'Alexandre a acheté ses premières vignes, dans la réserve naturelle des Folataires, un lieu qu'il affectionne particulièrement, riche en biodiversité. C'est aussi ce lieu qui l'a poussé à faire de la viticulture biologique, sans herbicides. Ici, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de fourrés, beaucoup de buissons, beaucoup de zones de steppe, beaucoup de rochers. On est au milieu de la nature, ce n'est pas uniquement de la culture. Cette réserve naturelle fait qu'il y a une immense biodiversité. C'est des vignes sur lesquelles, ben, pour moi, c'est logique qu'il n'y ait pas d'intrants chimiques, surtout d'herbicides, pour essayer finalement de se fondre dans ce décor. C'est un vignoble qui s'inscrit dans une tradition. Il faut imaginer quand même que la vigne, on sait qu'elle était cultivée ici, déjà entre moins 600 et moins 500, par les Celtes, hein, avant l'arrivée des Romains. Ce n'est pas l'histoire des grands châteaux comme on trouve sur Bordeaux. Ici, c'est vraiment une histoire de paysans de montagne qui produisaient plutôt du raisin dans un but de subsistance au travers d'une polyculture. On fait du vin ici depuis très longtemps. Et qu'en ça, on n'a pas de moins de mérite que des régions beaucoup plus prestigieuses. Et cette histoire, elle donne finalement naissance, et cet enclavement, hein, quelque part aussi, hein, du Valais, donne naissance à une conservation des cépages indigènes qui est supérieure à ce qui s'est fait ailleurs. Pour moi, c'est important que le vin, il se déguste aussi à l'aune de cette histoire-là. Je pense que ça change un petit peu le goût du vin, à quelque part, ou du moins sa perception. Si ça t'intéresse, hein, les 2021. Ouais, grand plaisir, comme ça. Alors, bon, c'est pas des vins finis, évidemment. Premiers jus. Une petite tarmine de Lettron. Tu sais que j'aime bien séparer les terroirs. Moi, je trouve très salin comme millésime. 2020, on avait déjà un peu des arvines comme ça. Alexandre parle du vin avec passion. L'histoire et la géologie donnent du sens à son produit. Au fil du temps, il est devenu un vigneron identitaire, fier de ce patrimoine viticole et fier de le partager. Comme ici, avec un sommelier de la maison Wenger dans le Jura. Non, mais là, c'est pur, tu vois, c'est net, t'as déjà une belle trame. C'est un boulot qui n'avait jamais été fait jusque-là. C'est ce que j'ai demandé, oui, parce que. Mais il n'y a que Fuilly, qui l'a fait ? Ou ben, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est toi qui l'as fait ? Ouais, alors j'ai fusionné plusieurs plans, hein, en réalité. Ah, c'est pas le. En fait, il y a eu une magnifique étude des terroirs qui a été faite il y a bientôt 20 ans. Ok.
et qui est restée un peu sans suite, alors qu'elle était hyper précise, hyper bien, cette étude. Et puis là, le projet, c'est d'avancer sur cette cartographie, tu vois. Cartographier les lieux dits en lien avec les types de sols sur le vignoble de Fuilly, Alexandre Delettra aimerait ainsi récolter des informations précises pour améliorer le choix et la qualité des cultures. L'idée, ce serait d'essayer de déterminer un type de sol par lieu dit. À travers, en fait, d'un travail comme celui-là, on peut aussi imaginer une forme de hiérarchisation des terroirs. Peut-être privilégier, dire, ben voilà, ici, on a quand même remarqué que sur ce lieu, c'est tel ou tel cépage qui se prête le mieux, pour gagner encore en précision et encore en finesse, en fait. Donc, c'est un boulot qui est pour moi essentiel, hein. Mais qui est peut-être un boulot que je verrai jamais abouti de ma vie, hein, probablement. Toute cette zone-là, ce qui est en rouge, c'est les affleurements de gneiss, hein, tu vois. Puis autrement, c'est vraiment Toulouse. Et si tu prends Bedon, tu vois, c'est Toulouse aussi. Donc tu as tes deux extrémités de communes qui se répondent un peu comme ouais, ça. Ouais. Peut-être qu'un jour, on sera content d'avoir cette carte, le jour où on va définir des crus. Ce qui est un exercice compliqué ici, puisqu'il y a... Il y a beaucoup de cépages aussi. Hein. Le terroir, c'est un ensemble de paramètres. En fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire un vin? Il faut énormément de choses. Marsanne. Qui peut aller de la température de fermentation, de la géologie, de la pédologie, du climat et de l'humain au milieu de tout ça, c'est-à-dire du vigneron. Et puis dans ces facteurs, ben, il y a des facteurs qui ont des importances qui diffèrent, quoi. Alors on sait que le sol est un facteur très important, le climat est un facteur très important. Dans le même esprit que l'Aïda ou que Bizarvine, hein. c'est clean, quoi. Après, le vinificateur aussi va créer un vin qui sera très différent. Voilà, vous prolongez une macération ou une fermentation d'un jour ou deux, on aboutit à un produit différent. On ne crée pas des vins de marque, on n'essaie pas d'avoir le même goût chaque année. Une marine rouge. C'est de tirer le meilleur de ce que nous offre l'année. Et en ça, on est artisan. 2021. Bon, ça sent encore la levure, là, hein, mais ouais, on devine déjà pas mal. Ouais, mais ça sent bon. Ça sent bon, ouais. Ça sent bon. T'as un joli jus, quand même. Hein. Ouais. Ouais, 850 kilos sur un hectare. T'es content, quand même. Ouais, quand même. Cire les tates. Celle qui est pure fuie. Je fais pas du tout les mêmes vins que je faisais il y a 10 ans, et probablement qu'aujourd'hui, je fais pas les mêmes vins que je ferai dans 10 ans. Dans la zone des folataires. Hein. Lui dit les tates, c'est les taches. On comprend qu'en fait, on n'est pas obligé de faire un vin qui est sur la puissance pour pouvoir briller, en fait, pas du tout. Justement, c'est plutôt quelque chose qui sera sur la retenue. On va essayer d'allonger les bouches, puis d'offrir un potentiel de garde au vin. Il n'y a pas non plus de grand terroir sans grand vin de garde. Et ça se vérifie à peu près partout sur la planète. Voilà, on va goûter en bouteille, ça va? Oui, allez, c'est parti. Et depuis que je travaille encore en Suisse, franchement, Fuilly, mais les petites arvines, pour moi, c'est Fuilly, quoi. Ouais. Tu vois? Il y a une signature. Oui, et puis il y a un toucher de bouche, une sensation tactile qui est, tu te dis, mais ouais, ça c'est beau. C'est des passeurs, hein, en termes de messages. C'est-à-dire que bon, nous, on s'adresse à eux, une expertise, parce qu'ils ont une habitude, une expérience. Et puis en fait, ils vont porter, c'est des porteurs de parole, des porteurs de flambeaux. On peut prêcher la bonne parole plus loin aussi, quoi. Quand vous prenez le vin au nez, donc ça donne ça, le vin, vous vous rendez compte de suite qu'elle donne, certes, un plaisir de fruit, mais on trouve déjà un tout petit peu, presque un peu une pierre à fusil. C'est un petit peu chaleureux du vin. Ce qu'on cherche dans un vin, c'est aussi la structure initiale qui est à l'intérieur. Les équilibres entre fruits, acides, amers, et donc c'est la structure. Est-ce qu'un vin est complexe ou est-ce qu'un vin n'est pas complexe? Donc allez-y, goûtez, prenez du plaisir. Ah, pas loin, 9,7. Alexandre et les organisateurs du festival de dégustation Fuilly, Arvin & Co. ont invité cet après-midi le sommelier Vincent de Berger, un autre ami d'Alexandre, un autre passionné, pour donner une masterclass. Le sommelier travaille pour des grandes maisons. Il met en avant le travail des artisans, la valeur du terroir et le potentiel de garde des vins valaisans. Donc t'as entendu Vincent, tu auras deux personnes pour le service. Georges et Myriam qui va venir direct la gamme. Si on prend l'intitulé du titre de la vinification de Benoît Dorsat,
ça veut dire en fait, je fais un vin pour le boire dans 15 ans. C'est ça que ça veut dire. Si on fait un assemblage de Syrah, de grands terroirs, avec un élevage en barrique, avec en plus une matière de 17% de calcaire à l'intérieur, bah ça veut dire simplement, mon vin que vous allez boire sur la jeunesse sera très flatteur, très beau, super gourmand. Mais par contre, il n'aura pas dit tout ce qu'il a à dire. On est en Suisse, donc on a des coûts de production qui sont les plus élevés de la planète. On est sur de la viticulture de montagne, qui nécessite encore plus de moyens. Vous aimez ça? Ah, ça c'est fui. Et puis finalement, bah, la valorisation, elle est difficile à obtenir. Donc on a toujours eu tendance à compenser par une quantité. Et puis la quantité bah, est assez antinomique avec la qualité. Tout ça parce que c'était une question de rentabilité, en définitive. Et il n'y a rien de déshonorant, hein, d'ailleurs, à vouloir un vignoble rentable. Si on veut qu'il se maintienne, il faut qu'il soit rentable. On n'a jamais pensé qu'on avait peut-être le potentiel de faire des grands vins de garde. On a ce potentiel-là, il est réel. Il faut juste l'explorer, il faut juste aussi adapter notre mode de production dans cette optique-là. Ici, on est sur le coteau des Seilles. Toute la vigne est en Arville, sur une surface d'un peu plus d'un demi-hectare. Il faut imaginer qu'en fait, les Arvilles en Valais, dans les années 90-91, il restait 6-7 hectares d'Arvilles en Valais. Il y avait à peu près 25 autour des années 2000, aujourd'hui il y en a 234. Mais ici, de mémoire d'homme, il y a toujours eu de l'Arvilles. Il y a ce côté un peu extrême, hein, en fait, très représentatif de la viticulture héroïque, comme disaient les Italiens, c'est-à-dire cette viticulture de montagne qui est très abrupte, très en pente. Il y a beaucoup de poésie avec un paysage magnifique. Il y a des lieux comme ça aussi, hein, finalement, qui nous parlent peut-être plus que d'autres, où on s'y sent mieux, puis on se dit « Ah, mais c'est pas possible de faire un mauvais vin dans un endroit pareil ». Alors, c'est pas un raisonnement forcément très scientifique, mais je pense qu'il faut aussi faire parfois confiance à son intuition. Alexandre s'est ancré ici, dans ce paysage. Originaire de Genève, il a commencé à racheter des vignes en 2008. Son travail minutieux et authentique a été porté par les sommeliers. 5 ans plus tard, il est nommé découverte de l'année au Goemio. Vous avez choisi la vie de vigneron. On ne vous l'a pas imposé, ce n'est pas un héritage que vous reprenez. Qu'est-ce que ça change, ça? C'est une immense liberté. Parce qu'il n'y a pas le poids, je dirais, de la tradition familiale. On voit les lits qui se déposent. Finalement, j'ai fait ce que je voulais. En faisant beaucoup d'erreurs, mais qui m'ont beaucoup appris. Voilà. Probablement qu'étant fils de vigneron, j'aurais évité une bonne partie de ces pièges, certainement. Après, je pense que c'est des expériences qui peuvent être salutaires aussi. Je pense que c'est cette naïveté, finalement, de la jeunesse qui fait qu'on ose y aller. Hein, parce qu'on ne mesure peut-être pas toutes les conséquences sur sa vie. Donc on y va, puis après, bon, on se trouve pris dedans, puis on doit continuer. Mais heureusement qu'il y a cette période-là. Moi, je te dirais, ça a même pas lieu d'être. C'est pas dans l'axe du rang. Et ça, ça gangrène le pied de vigne. Dans le sens où, au bout d'un moment, ça va partir de travers. Donc tu vas te dire, ah bah oui, mais maintenant, il faut que je le coupe. Donc tu vas faire une grosse plaie de taille. Et ensuite, tu vas te dire, mince, mon pied perd en vigueur, j'ai des maladies du bois. L'intérêt, c'est de se dire, ce qui ne doit pas être laissé à l'ébourgeonnage n'est pas laissé. Comme ça, on ne se pose pas la question à la taille de se dire, mince, qu'est-ce que je fais avec ça? Et mince, qu'est-ce que je fais avec ça? Ce matin, Alexandre, Juan et Georges, les deux frères ouvriers de la cave des Amandiers, suivent une formation pour améliorer la taille. L'œnologue conseil Richard Angonnet, vigneron en Bourgogne, leur amène son expertise. Si on avait eu un pied qui était magnifique, dans une présentation comme ça, en fait, il n'y aurait pas eu de problème. Mais dans l'ergonomie, là, j'aurais choisi l'autre, surtout qu'il était beaucoup plus puissant. Plus puissant, c'est plus de réserve d'amidon, et derrière, c'est plus de raisin. Parfait. On respecte les trajets de sève, donc à partir de là, en fait, on a moins de bois nécrosé à l'intérieur du pied de vigne. Donc si on part du principe que si on a des bons trajets de sève, on aura un rendement et une régularité de production qui sera maintenue. Le travail a été compris. Alors, une vigne qui se porte bien, c'est une vigne qui produit. Hein. Donc on a besoin quand même de raisins pour faire du vin. Donc si on ne soigne pas assez, ben on peut avoir une surmortalité, une mortalité qui est précoce, et puis simplement perdre la production inutilement. Et puis après, il y a quand même, on aime bien quand même si on peut arriver sur des vignes qui sont plus âgées, parce qu'on sait que ces vignes ont tendance à produire un vin de meilleure qualité, quoi. Donc pour moi, c'est un enjeu capital. Ouais.
Améliorer le produit, viser l'excellence et partager avec ses clients. Après, nous, on a eu beaucoup de pertes cette année parce qu'on est aussi en bio, puis qu'en bio, ben voilà. Puis cette année, ben, il fallait être en conventionnel, quoi, honnêtement. C'était pas la bonne année pour être en bio. Alexandre a ouvert les portes de la cave pour ses clients comme il le fait deux fois par année. Le travail de la saison est partagé. Quelques vins de garde sont ouverts. 2021, c'est une année très dure, ouais, qui fait déjà suite à une année difficile comme 2020. Pas pour les mêmes raisons, hein. 2020 a été compliqué parce qu'on a eu ce Covid, etc. Puis moi, j'ai beaucoup de clients restaurateurs, donc forcément, j'en ai aussi pâti, hein, de la non-ouverture des restaurants. Et puis 2021, des conditions météo qui fait que ça a péjoré la récolte parce qu'on a eu trop de mildiou. Ça a permis de pointer nos limites, hein. On arrive peut-être plus à une période de maturité où maintenant on a envie de travailler ce qu'on a, le faire le mieux possible, rationaliser un peu le travail, le confort de travail. C'est pas juste une boisson alcoolique le vin, c'est au-delà de ça. C'est une tradition, c'est un entêtement de civilisation. Et je pense que c'est vrai, quoi. C'est très lié à nos racines. C'est quand même une boisson qui se démarque depuis sa création. Voilà, que ce soit dans les textes sacrés et tout. On parle beaucoup plus de vin que de bière ou autre. Donc ouais, je pense que ce rattachement à l'histoire, il est pour moi important. Nous tournons la page de ce chapitre des histoires d'Arvin en savourant les mystères de la terre et les multiples facettes de ce métier de vigneron. Les ceps sont couverts de neige, ils se reposent, se nourrissent et se font beau pour le printemps à venir. Ça, c'est des vignes qui ont 67 ans. Alors, tu sais, Henri Jaillet, il disait que tu pouvais faire du pinot à partir de 50 ans. Des vignes de 50 ans. Les gens vont se faire plaisir, je pense, ce soir.